Je dois capturer cette bête. Elle est très... Attendez. Je vais enlever ma cape. Enlever ma cape et le jeter dessus. Je la mettrai dans... Oh putain. Elle est montée là-haut. En tout cas, non, rentrez. Attendez, je veux capturer cette chouette pour vous. Bannir, malheureusement. Capturez-la bien, connard. C'est qu'on peut pas, c'est juste qu'il nous faut de la... Il faut oh putain. En fait, il faut aller les acheter à Port-Réal. Des bannières. Bah oui, tout ce que ouais, vous... Excusez-moi. Tout ce que vous pouvez mettre. Voilà. Voilà. My God. Attendez, 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 j'y vais. Oh putain, c'est chouette de mes deux. Oh, oh putain. Oh putain! Je vais devoir aller en bas pour la récupérer. Elle a glissé. Oh là là, parfait! Parfait! Gaillon sera content de moi! Ça fera une belle bête de compagnie, ça. Pour une fois qu'ils sont fiers de moi. Oh là là. Regardez, Gaillon, elle est dans mon sac. Vous avez dompté l'animal? Non, non, elle est dans mon sac, elle est dans mon vous sac. Vous l'avez dompté. Il faut non, non, il faut l'enfermer dans des joutes. Il faut l'apprivoiser. Là, elle est pas apprivoisée, elle va vous mordre, monsieur Gaillon. Prenez le sac si vous voulez, mais faites attention. Mais je la prends dans le sac, oui, voilà. Oui, je prends le sac, oui. Oh, allez, c'est bon. Très bien, prenez cela. J'en ai assez, il nous en faut. Il faut trop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai capturé une chouette pour monsieur Gaillon. Sac, petite chouette. Ah, aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi, elle va se... Vous êtes un monstre, monsieur Amaury. Mais ne la tuez pas. Mais elle a assommé. Elle est pas morte, mais... J'ai juste assommé, c'est tout. Ah, bon, c'est parfait. Parfait, je l'approche, je vais. Je la prends dans le sac, je vais l'emmener dans une pièce, on va voir. Amenez-la plutôt dans les cellules. Oh mon dieu. Après avoir exploité des gosses, vous exploitez des chouettes. Mais non, c'est une bête de compagnie. Parfait. Bah. Ouvrez la grille. Non mais reculez avec la chouette. Reculez avec la chouette, reculez avec la chouette. Et ouvre-toi, sale porte de merde! Ah, voilà, celle-là elle fonctionne. Parfait. Je sais pas, c'est un mâle ou une femelle? Je ne sais pas. Au pire, un nom mixte! Eh bah, appelons-la Jaquette. Non, pas Jaquette. Vous pouvez l'appeler Espoir, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais. Or. Appelez-la Or, ça vous plaît. La chouette s'appellera. La chouette s'appellera Or. Ou Richesse, non. Elle s'appellera Richesse. Parfait. Bon, j'espère que cela vous fera plaisir comme cadeau. Effectivement, ça me fait très plaisir. Vous savez quoi, je vais rentrer avec elle. Je vais essayer de caresser le bestiau. Rentrez, façon, hop. Fermez la grille. Ouais. Je vais devoir installer des sortes de... Comment on appelle ça? Ils appelaient ça des volières à Port-Royal. Des fils comme ça. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Hop là! Tenez, donnez ça! Je vous donne un rat, vous le donnez à manger, ça mange ça! Il est mort le rat, je l'ai transpercé, vous inquiétez pas, ce sera un peu sale, vous vous laverez les mains après, hein. Et nourrissez-le avec! Oui. Parfait! Bon. Je vous l'avoue pour moi, mais. C'est un petit rat quand même!
Bon, elle mangera au pire, elle le décapitera. Au pire du pire. Mais bon, au moins, ça fera une bête de compagnie pour Sir Gaillon. Oh, très bien. Au moins, voilà. Tiens, J'espère mange que. ça, richesse. Bon, tout bon, hein? D'accord, c'est tout bon! Ouais, je viens. Parfait. Et là? C'est bon, calmez-vous, voyons. J'ai Ah, attendez, la calmez-vous, chouette. c'est quand même Monsieur le Calmez-vous! Roi. Dis-moi, on est chouette, moi, c'est pas. Ah, ça, pas très beau. Oh, puis occupez-vous de la chouette, oui, voilà. Très bien, voilà. Ah, c'est bon. Ah, Allez, c'est bon. poussez-vous, poussez-vous! Non, mais. Parfait. Oh, je suis trop con. Oh, je suis trop con. Oh merde, je suis pas incliné. Messeigneur, Majesté. Parfait, je suis incliné. Effectivement, cette rencontre sans cesse tardée a enfin lieu. Je suis ravi de voir venir ici en ce jour avec ma famille au sein de Castral Rock, Lord Titos. Nous allons pouvoir nous entretenir à l'intérieur de votre château. Si vous voulez bien baiser la main de la reine. Évidemment. Alors vous m'excuserez, mon roi, mais votre visite est tombée assez rapidement. Je devais me rendre à Calbi. Pas vraiment eu le temps de préparer un banquet digne de ce nom, mais je pense que ce que j'ai préparé suffira largement. Très bien, ce n'est pas grave. Les Baratheon attendra et nous allons pouvoir, contenter du peu. Ne vous en faites pas. Je vous présente ma petite fille, Daenerys de la maison Targaryen, et ma fille, Rhaenys de la maison Targaryen. Formidable. Belle jeune fille. Pour de belles princesses, mon. Vous avez de beaux enfants. Effectivement. Mes orages, mes hommages. Ne tardons pas, je vais vous emmener au du banquet et nous irons parler en même temps. Parfait. Chevalier, allons-y. Je veux voir avec sa chouette là, qu'est-ce qu'il fait? Putain, je lui capture sa chouette et il se balade sur la Vous tête. avez raison, Lord Titos Lannister. Reste là. J'aurais aimé vous faire la tournée. C'est bon. J'arrive, restez avec mon père. Voilà, parfait. Hop. Je vous prie de rejoindre notre table, Lord Titus. Bah, ce serait bien triste. Je vois que la maison Lannister a pris un grand soin pour préparer une grande tablée pour sa majesté Je vais le bien, roi, sœur, et vous? bien garnie. Le Hightower, oh le bâtard. On vient de se faire insulter par le Hightower. Et qui ça? Ben, je sais plus c'est quoi son prénom, mais je sais que c'est un acteur. Il a insulté Lord Titos en disant, je cite, Ah, je vois que Lord Titos a fait un bon repas alors que la table est, on va dire, oui, moins garnie qu'il faut, mais il l'a bien souligné devant le roi. Le Lord de Titos. Pour ça, chuchoter quand vous parlez. Je suis pipi actuellement au rock et. C'est ma garde qui m'a accompagné jusqu'ici. Ah! Ça, j'entends une voix C'est cela, familière. oui. Ouais. Ah, a priori. Qui est chevalier? Ok, ben, suivez-nous. C'est les chevaux sur le côté. Non, pas au milieu. Pas au milieu, sur le côté, si vous. Ma fille comprend vraiment rien, monsieur. Merci.
S'il vous plaît, restez avec en groupe au lieu de vous éparpiller dans le château. C'est pour votre sécurité, pour la nôtre. On sait jamais avec les gardes. Oui. Merci, merci. Oui. Si reste avec moi, moi si tu restes. Sire, ben regardez, ils Voilà, sont là. Sire Maury, il est là. Sire Maury. Mes salutations. Alors, il y en a deux, je suis sûr que j'ai oublié leur nom. Salutations, mon écuyer. Salutations, le garde qui a des problèmes d'élocution. Ils sont morts tous deux lors des révoltes feu noir. Combattant pour votre famille. Ah, et c'est simplement là. On va les suivre avec la viande. Venez, venez, on va les suivre. Ils nous mènent vers la route. Vous pouvez en prendre qu'un, venez, venez, c'est pas grave. Ah bah, vous prenez le deuxième, c'est. Hop, ramenons la viande. Bon, j'espère que ce sera assez, j'ai dépensé toutes mes économies dedans. Ah, mais il y a encore. Bah, non, c'est pas de l'âle de fut. Qui est-ce? Qui est-ce? Marchand, marchand. C'est notre premier roi dur. Marchand? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai oublié son nom. Marchand, recule. Oui, majesté. Mais reculez, qu'est-ce qu'il fait? Ton portrait, c'est moi ici. Hein. C'est, si vous voulez me demander oui, quelque chose, c'est Tywin qui a commandé tous les portraits. Ah, c'est moi qui les ai commandés, oui. Alors, est-ce qu'il ramener ce gigot sur les tables. Sur les tables, marchand, marchand, qu'est-ce que vous faites? Venez. Allez, Johanna, alors, fais les jouets. Attendez, parce que là, c'est la reine et. Silence, partiez. On mange pas à terre, marchand, et vous m'avez fait quoi là? Je me fais engueuler, moi. Qui le fait? Je pars cet argent. J'avais de roi. Je les paye pas, hein, vous savez. Pire endroit pour me mettre à l'heure là. Ils ont où les autres? Ah, je taillerai. Excusez-moi, monsieur le marchand, c'est combien le vin? Le vin. Oui, le vin. Le vin. C'est 15 dragons d'or l'unité. Est-ce que vous pouvez m'en mettre 4 dans 3 sur mes. Je vous jure, je vous paierai. Hein, parce qu'ils me doivent de l'argent. Et bah, j'ai pas eu mon salaire. Mais parce que c'est comme ça, le roi va il être content. Il faut la paye maintenant. Ah là là. C'est vraiment. Non, mais j'ai pas d'argent. Attendez, personne veut payer. Je vous jure, je vous paierai. Dans maximum, dans pas longtemps. Deux secondes, il y a juste un. Malheureusement, ce sera pas possible. On paye maintenant, ou alors il y a pas de vin. Oh putain, alors là, je vais me faire insulter, moi. Il demande à nous de faire le marchand, mais déjà on a pas une, on a une maigre paye. Excusez-moi, Robert Clegane, monsieur Sir Robert Clegane. Non, je paye pas de viande, je paye pas de viande. Ah super, j'ai tout claqué avec mon salaire, bah là c'est compliqué monsieur le marchand. Ouais. Vous aurez qu'à demander à Tito ce qu'il va prendre. Et voilà comment on est traité. Excusez-moi, Sir Lannister. Sir, oui. Est-ce que vous pourriez dépenser un peu pour du vin? J'ai dépensé tout mon argent pour la viande, je n'ai pas assez pour le vin. Allez, dans la salle du trône, il y aura mon petit frère Guerion. Il a plein d'argent. Lui, il va vous en donner de l'argent, ne vous inquiétez pas. Ouais. Bon, bah, restez là, je vais essayer de trouver des fonds. Ça m'a l'air bien là. Princesse, vous en pensez quoi? Je suis sûr que vous êtes bon. Et t'as recoupé le souffle. Vous allez nous raconter les faits historiques de chacun d'entre eux sur Tywin. Nous suivons leur Tywin. Mais je pourrais vous raconter même sur Twitch. Il est pas là. Ah super, putain. Ouais, oh là là là, comment je fais moi? Il est pas là. Non, il est pas là. J'ai aucun Lannister qui permet de payer. Je peux pas demander à quelqu'un, j'ai personne. Oh là là, mais sérieux, c'est la honte. Excusez-moi, oh. Bonjour. Vous aurez pas vu le Guerion Lannister? Ah, Lord Titos. Est-ce que vous avez payé le vin au marchand? Parce que j'ai mis tout mon salaire dans la viande, je n'ai plus d'argent et personne ne veut payer. Il est où le marchand? Il est juste là-bas, je l'ai ramené à table. Enfin, je l'ai pas mis à table, mais je l'ai mis à côté de la table. Et personne ne veut payer à part moi, j'ai tout claqué dans la viande mais j'ai plus d'argent en fait. Donc il faudrait le payer le vin, si possible.
plus tard. Donc ça fait 4 jars. Ah, j'ai tout claqué, wesh. Oh là 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 là, ça me fondra. Mais bon, de toute façon, 60, je suis traité comme une merde. Plus grand chiffre que les petits chiffres. N'importe quoi là. Bon. J'espère au moins qu'ils vont pouvoir faire. C'est ce que je viens de dire, marchand. Allez, prenez votre paye. Parfait. Marchand, posez sur les tables. Parfait, parfait. J'ai déjà plus d'argent, sérieux. Ça casse la tête. À chaque fois, c'est mauvais. Vas-y. Venez, je vais vous rendre. Négatif, je ne travaille pas pour l'argent chez Lannister, je travaille pour l'honneur. Très bien, c'est ça. Attendez, je vois un petit coup, moi.